Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Essonnez-vous. Juste après la rentrée scolaire, chaque année, les Journées européennes du patrimoine nous donnent l'occasion de découvrir des joyaux historiques. Cette 40e édition est l'occasion de vous faire découvrir les trésors essonniens, comme par exemple l'église de Saint-Sulpice de Favières. Dans ce village de 294 habitants, l'église a des allures de cathédrale, ce qui surprend toujours les visiteurs. Nous tenterons d'ailleurs de percer ce mystère avec notre reporter Erwan Morvan. Et pour parler patrimoine, j'accueille Brigitte Vermillet. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous êtes vice-présidente en charge du patrimoine bâti et des domaines essoniens, un patrimoine que vous connaissez bien. Alors à quoi ressemble-t-il ? D'abord, c'est un patrimoine essonien très divers, très riche, un patrimoine naturel avec des forêts, des prairies, des vergers, des sites géologiques, des espaces naturels sensibles, un patrimoine exceptionnel et puis un patrimoine culturel riche de sa diversité avec de nombreux joyaux comme vous l'avez exposé et permettre ainsi à la culture de se vivre sous toutes ses formes. Alors c'est bien sûr des châteaux, bien sûr des parcs, des halles de marché, mais nous avons trois domaines départementaux, Méréville, Montauger, Chamarande, 267 monuments historiques et musées, un fonds départemental d'art contemporain et un musée de la photographie à Bièvre. Le département est très investi donc dans son patrimoine et surtout dans la restauration de ce patrimoine essonien. Pourquoi ? D'abord, c'est un devoir de transmission à nos générations futures. Et puis, c'est un devoir d'entretien puisque cela concerne la fierté, l'identité des Essoniens dans un territoire. Et pour reprendre les propos de mon ami Stéphane Bern, c'est source de convivialité et de fierté. Vous faites aussi une campagne de communication qui s'appelle Sauvons notre patrimoine. Tout à fait, puisqu'il s'agit jusqu'au mois d'octobre de sensibiliser les Essoniens, mais pas que, à la sauvegarde de ce très beau patrimoine essonien. Alors justement, parlons-en. Quels sont les sites en péril que le département a réhabilité ? Alors un certain nombre, puisque 120 projets ont été soutenus avec un peu plus de 6 millions investis dans ces programmes de réhabilitation. On pourrait citer dernièrement la halle de Milly-la-Forêt, puisque cette halle a fait l'objet d'une grosse restauration avec, en faisant appel à des entreprises phare avec un savoir-faire connu et dont une d'entre elles qui participe aussi à la restauration de la flèche de Notre-Dame de Paris. On pourrait citer le parc Boussard de Lardy, un symbole et un joyau de l'art moderne, mais le château de Montaigu à Marcoussis et beaucoup d'autres établissements. Les lavoirs aussi. Les lavoirs font partie du patrimoine essonien, surtout dans le Sud-Essonne. Et puisqu'on parle de sites en péril, il y a eu aussi l'église de Saint-Sulpice de Favières qui a subi évidemment de nombreux dommages et dégâts au fil des siècles que vous avez restaurée. Nous allons aller la découvrir. Elle est nichée au creux de la vallée de la Renarde dans un petit village de moins de 300 habitants. Visite guidée avec le maire Olivier Pétrilly. Nous vivons dans un cadre extrêmement hors du temps finalement. Quand on fait le tour du village, on peut réaliser que nous avons une vieille plaque émaillée sur la vieille gare, une vieille poste préservée, des éléments finalement aussi significatifs que ceux qu'on peut trouver sur les vieilles cartes postales du début du siècle. Les cartes postales évidemment font l'honneur au symbole de notre village qui est l'église de Saint-Sulpice de Favières, un monument tout à fait exceptionnel du XIIIe siècle, un vrai symbole du gothique rayonnant. Cette église a été inscrite au monument historique sur la première liste des monuments historiques en 1842 par Prosper Mérimée. L'une des fiertés des Saint-Sulpiciens, c'est de savoir qu'effectivement Notre-Dame de Paris, elle, n'a été inscrite qu'en 1862. Et souvent, lorsqu'on vient dans notre village, on nous dit « mais finalement, comment se fait-il que vous ayez une si grande église dans un si petit village ?» C'est essentiellement lié au fait qu'il s'agit d'une église de pèlerinage. Dès 1250, effectivement, de nombreux pèlerins sont venus à Saint-Sulpice de Favières pour honorer Saint-Sulpice et un grand nombre de malades venaient espérant être guéris. La qualité de l'église de Saint-Sulpice de Favières tient évidemment à son bâti à proprement parler et également à la qualité de ses vitraux, notamment le vitrail qui est consacré à la Vierge, qui est d'origine, et à la grisaille dédiée à Saint-Sulpice de Favières, qui elle-même est d'origine donc de 1250. Alors, du fait de son caractère authentique, rural, préservé, l'an dernier, Saint-Sulpice de Favières a bénéficié de la 7e place
au concours du village préféré des Français. Et c'est bien évidemment parce que notre village rayonne sur l'ensemble de l'Essonne et même au niveau régional et national du fait de cette église que nous avons eu un grand nombre de personnes qui ont voté pour nous. Et là encore, c'est une fierté pour nous. Un reportage d'Erwan Morvan. Elle est fabuleuse, cette cathédrale. Elle est fabuleuse. Le village est juste délicieux. Et puis, le conseil départemental accompagne les travaux de restauration jusqu'en 2026. Et le soutien financier se porte à hauteur de 35%. Lorsqu'on parle patrimoine, Stéphane Bern n'est jamais loin. D'ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors, comment vous accompagne-t-il? D'abord, avec Stéphane, c'est une histoire d'amitié professionnelle, puisque nous avons eu un parcours commun dans la presse féminine. Et lorsque le président du Rovray a cherché différents leviers pour pouvoir trouver des partenaires, nous aider, nous accompagner dans ces opérations de restauration de notre patrimoine. Je lui ai proposé de rencontrer Stéphane Bern et entre eux deux, ça a matché tout de suite. Alors, il faut d'abord signaler que cette fondation Essonne Mécénat, dont il est le parrain, a été la première fondation lancée par un département. Et à l'époque, Stéphane n'avait pas encore été identifié par le président de la République pour être le monsieur mission patrimoine. Donc, le département de l'Essonne avait eu du flair. Ah oui, vraiment. Quelle est la mission de cette fondation? L'objet, c'est d'aller chercher des partenaires privés. Voilà, donc on accepte tous les dons, des petits dons modestes, des gens fidèles, des Essoniens, mais pas que. Et puis aussi, on peut bénéficier d'un mécénat de compétences d'entreprises qui nous accompagnent sur de la logistique, sur de l'ingénierie, sur des tas d'autres façons de s'impliquer au service du patrimoine. Et du coup, nous avons proposé à ces entreprises de pouvoir bénéficier et faire de la culture en Essonne. Et elles ont la possibilité de piocher dans le catalogue du Fonds d'art contemporain et de présenter au sein de leur entreprise une œuvre d'art qu'ils auront choisie et de permettre ainsi à la culture de rentrer au plus proche à la fois de leurs salariés et des concitoyens. Vous travaillez aussi donc beaucoup sur ce volet communication, oui, pour faire découvrir tout ce qui se passe en Essonne. Les Essoniens ne connaissent pas forcément. Mais non, c'est aperçu au fil des années de ce mandat que les Essoniens sont les premiers à ne pas forcément bien connaître leur territoire. Donc nous travaillons beaucoup à la communication, bien sûr, que ce soit les abribus, sites internet, les réseaux. Nous faisons de la médiation et de l'animation culturelle pour pouvoir toucher le plus possible de public, y compris les très jeunes. Et puis, le conseil départemental va lancer en octobre prochain une revue, la revue de l'Essonne, qui ne sera pas là un support pour présenter les politiques publiques, mais mettre en avant et en lumière les savoir-faire essoniens, les hommes et les femmes qui concourent au rayonnement de notre territoire. Brigitte Vermillet, merci beaucoup. Merci à vous. Cette année, c'est du 16 septembre au 29 octobre qu'aura lieu Essonne verte, Essonne propre, organisée par le département de l'Essonne. Cette vaste opération de nettoyage du territoire essonnien, ouverte à tous, vise à sensibiliser le public à la protection de l'environnement. Nettoyage des villages et des forêts vous sont proposés, ainsi que des animations autour de la biodiversité. Cette édition 2023 est parrainée par Ludovic, l'éboueur star de TikTok. Le département de l'Essonne lance une nouvelle revue destinée à mettre en valeur les atouts et les talents du territoire. Sortie du premier numéro début octobre. Au fil de la lecture et de ces trois rubriques, imaginer, s'engager et agir, vous découvrirez ou redécouvrirez les richesses de ce département. Une terre d'avenir à feuilleter deux fois par an. Inscrivez-vous dès maintenant sur essonne.fr pour la recevoir gratuitement chez vous. Cancer du sein, faites-vous dépister. Première cause de décès par cancer chez la femme, il se guérit dans 90% des cas s'il est détecté rapidement. Le département de l'Essonne, en partenariat avec le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers, la Ligue contre le cancer Essonne et l'Assurance Maladie, soutient Octobre Rose à travers une campagne de sensibilisation sur le territoire. Rendez-vous dans un mois, nous serons sur le plateau de Saclay pour parler recherche, science et innovation.